C'est bientôt l'été et vous voulez avoir une mine éclatante, j'ai une astuce pour fabriquer son autobronzant soi-même et de manière naturelle. La voici. Vous prenez des carottes bio, c'est très important. Et vous les lavez au préalable, bien sûr. Ensuite, vous les coupez en fines rondelles. Une fois que vos carottes sont bien découpées, vous les mettez dans un bocal. Alors, je vous rappelle deux secondes comment on stérilise les bocaux. C'est très, très simple. Vous les mettez dans une casserole avec de l'eau bouillante. Vous laissez 20 minutes les bocaux dans la casserole et c'est tout. Ils sont stérilisés. Vous prenez les carottes, vous les mettez dans le bocal. Vous prenez de l'huile végétale, bio, c'est la seule condition. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'elle soit bio. Vous versez sur les carottes. L'important, c'est qu'elles soient totalement immergées dans l'huile. Ce qu'on est en train de faire, le nom n'est pas très très sexy, mais on appelle ça un macérat huileux de carottes. Vous secouez, et là, vous attendez 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, vous avez votre recette magique pour vous faire un autobronzant maison. Pourquoi cette recette est magique? Parce que la carotte contient de la bêta-carotène. Et la bêta-carotène, c'est une propriété extraordinaire puisqu'elle permet de resserrer les pores de la peau, de donner du tonus, de ralentir le vieillissement et de favoriser le bronzage. Et si vous avez d'autres bons plans, d'autres astuces que vous voulez partager ou découvrir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook du Comptoir de la Débrouille. Salut !